nom du secrétaire d'État aux forces armées guerre, le ministre de la Défense nationale cite, à l'ordre de l'armée, l'école spéciale militaire interarmes. Fidèles à leur tradition de dévouement à la patrie, de courage, de discipline et d'honneur, les anciennes écoles de formation de Saint-Cyr, Saint-Mexan, Saumur, Poitiers, Versailles, dont l'école spéciale militaire interarmes est l'héritière, ont brillamment contribué à former des officiers d'active et de réserve qui ont répandu sans mesure leur sang sur les champs de bataille des théâtres d'opérations extérieures de la Deuxième Guerre mondiale et d'Indochine. Ont donné à la France une pléiade de chefs qui ont su conduire la nation à la victoire. Ont ainsi hautement mérité la reconnaissance du pays. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme. 11 juillet 1953. Le ministre de la Défense nationale et des Forces armées cite, à l'ordre de l'armée, l'école spéciale militaire interarmes. L'école spéciale militaire interarmes, fidèle à sa tradition de dévouement absolu à la patrie, n'a cessé de former depuis la libération de jeunes promotions animées d'une foi ardente qui, aux côtés de leurs anciens, ont servi et continuent à servir avec héroïsme sur les champs de bataille d'Extrême-Orient. Elle a ainsi largement contribué, au prix du sacrifice de près de 800 des siens, à maintenir haut le prestige du pays et à sceller l'Union française par le plus éclatant des témoignages, celui du sang. Elle a bien mérité la reconnaissance de la nation. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme. Par décision du ministre des Armées, l'école militaire interarmes a été autorisée à accrocher à la hampe de son propre drapeau la Croix de guerre 1939-1945 avec palme et la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme décerné à l'école spéciale militaire interarmes.